Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Aujourd'hui, je vous prends avec moi pour un haul, pas comme les autres, parce qu'on va shopper ensemble live dans le magasin Zara. Là, c'était un peu mon outfit, pas trop surchargé, mais pourtant, ça tient un peu chaud. À peine rentrée dans le magasin, j'ai vu cette pépite, c'est une veste qui tient mais énormément chaud. Vous voyez, ça n'a pas de bras, mais quand même, ça tient chaud. Like, vous le portez sur un pull comme ça qui est un peu lourd que le mien, ou bien exactement ce que je porte, ou bien en hoodie, ça tient super chaud les gars, et c'est trop stylé parce que ça fait un petit crop top très mignon. Et juste à côté de ça, il y a la deuxième version avec les manches, et là je vous dis, ça tient hyper chaud, vous n'y croyez même pas. Là, je vais pas abuser à mettre un pull ou bien un hoodie là-dessus, juste en haut léger, ça va. Cet hiver, la tendance avec les fausses fourrures, ça m'a saoulée. Ben, j'ai trouvé ce manteau fausse fourrure chez Zara. Il est trop cute, ça tient très chaud. Et le seul point négatif, c'est que ça te laisse tes cheveux sur tes habits. Oh my god, c'est pas du tout joli à voir. Et juste à côté, j'ai vu aussi ce chapeau, ça passe très bien. Oh my god, il tient super chaud. Vraiment, si c'est votre style, c'est trop joli. Imaginez ça sur votre tête à vous. Ça rend très joli et limite, ça passe aussi très bien avec mon manteau. J'aime de ouf, j'étais très happy de l'avoir. By the way, là c'est ma soeur, on est venus ensemble pour faire un peu de shopping. J'ai directement essayé de chercher des robes pour les fêtes qui viennent. Et là, j'ai vraiment eu quelques robes très jolies. Les gars, moi de base, les robes pour les fêtes, je les achète en ligne chez ASOS, PLT ou quelque chose comme ça. Mais pas chez Zara. Mais cette fois-ci, j'ai vu vraiment des robes très, très jolies. Mais avant, regardons ensemble, suite ensemble. Il est trop joli. Mais surtout, la couleur, quoi, c'est trop stylé. Avec des boutines et juste un petit manteau noir chic. Ça fait l'affaire. Je sais pas trop, j'hésite en fait entre cet ensemble et ou bien une robe pour les fêtes, mais je pense que je vais aller sur les robes parce que tout simplement j'ai pas envie de porter deux pièces pendant les fêtes et tout, avoir une seule pièce. Je trouve ça très mignon, très chic et ça prend pas beaucoup la tête. Et puis après, comme j'étais avec ma soeur, elle a trouvé cet ensemble très joli qui fait un peu school girl. Mais ça lui va à merveille. Moi, je sais que ça va pas bien m'y aller. Mais bon, ça lui va. Puis après, j'ai vu ce manteau en cuir que j'ai juste eu l'idée de porter avec l'ensemble que je viens tout juste de vous montrer. Mais by the way, juste le manteau comme ça, il est trop stylé, trop cute. J'aime trop les manteaux comme ça. La taille, le style, ça donne juste un très joli vibe. Juste la couleur noire, c'est trop cute sur le manteau. Like, I mean, avec ou sans la corde, ça tient très bien, ça taille très bien, c'est trop joli. Bon les gars, cette robe, elle n'est pas mon style pour les fêtes, mais vous voyez cette coupe là en bas, c'est trop joli. Et comme c'est un pull, je pense que ça va très bien marcher pour les fêtes parce qu'on veut pas attraper le froid et tout, porter quelque chose de très léger. Là, c'est vraiment la robe parfaite avec ses manches longues et sérieusement, ça va tenir très chaud. Puis après, j'ai vu cette robe là et là directement j'ai oublié la robe noire parce que celle-là, oh my god, celle-là, elle m'a tuée en fait. Parce que là, c'est une dinguerie, c'est une pépite. J'étais tellement contente parce que je me dis, là, j'ai eu ma robe pour les fêtes. Déjà, ça, c'est carré. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce petit live haul chez Zara. J'espère bien que ça vous a plu de voir aussi ma petite sœur avec moi. N'hésitez surtout pas de me laisser un commentaire quel article vous aimez le plus. Et si aussi cette vidéo vous a plu, on se revoit dans une toute nouvelle vidéo. Bye! Thank you.